7 minutes 25. Mais c'est toujours comme ça. C'est quand ça s'arrête que les gens sont malades, jamais pour l'an. Et vous, ma petite dame, ça va? C'est pour qui? C'est pour elle. Elle a perdu les gants. Vous permettez? Mais vous êtes en train d'accoucher, là. Mais vous pensiez quoi? Que je faisais du tricot? Allez me chercher le matos. On peut pas la sortir, on va la coucher sur place. Ah ouais, mais moi ça m'arrange pas, docteur, parce que j'ai des courses à faire. Et puis ma banquette, elle est toute neuve. Vous pouvez pas faire ça sur le goudron, plutôt? Elle perd ses os, monsieur. Elle perd des os? Poussez! Bloquez! Bloquez! Poussez! Poussez! Oh Lily, ça va? T'es au courant que t'as un déjeuner de famille? Ma famille, t'as déjà une demi-heure de retard. Je sais, je finis une course et j'arrive tout de suite. Daniel, j'ai mis 6 mois à me décider pour te présenter mon père. Et maintenant qu'il est prévenu et qu'il t'attend, monsieur, est en balade? Je suis pas en balade, Lily, je suis en urgence, du super urgence. Et moi, je suis pas du super, c'est ça? Et ma famille, c'est du gasoil? Oh Lily, s'il te plaît, ne fais pas un drame. Ma mère a planté son roast beef, mon père tourne dans le salon comme un lion en cage. Mais vas-y, hein, prends ton temps, t'as qu'à venir pour le café. Lily, je suis désolé, mais je peux pas faire plus vite. Je suis vraiment coincé de chez coincé. Comment ça, coincé? Mais c'est qui la meuf qui hurle là? C'est une femme. Mais merci, je sais encore reconnaître une femme même quand elle braille comme un âne. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Daniel? Mais rien du tout, je regarde, c'est tout. Enfin non, je veux dire, c'est pas ce que tu crois, Lily. Je te jure que c'est un malentendu. Mais je l'entends très bien, cette garce. Dis-moi, vu ton élégance naturelle, je suppose que je la connais. Mais pas du tout. Mais moi non plus, je la connais pas. Je te jure que c'est la première fois que je la vois. Je le sens bien. Ah, je le sens bien. Mais tu te fous de moi, là? Tu te fous de moi? T'es en train de te taper une poufiasse dans ton taxi pendant que je poirote pour te présenter mes parents? Mais tu y es pas du tout, Lily. C'est une grosse femme et elle hurle parce qu'elle a perdu des os. Il y a son mari qui la tient et... Parce qu'il y a son mari en plus? Et vous faites ça à trois dans une voiture? Oh là là, il n'y a pas quelqu'un qui va lui expliquer là, parce que je vais pas y arriver, je le sens là. Tenez-vous, allez-y, expliquez-lui. C'est vous qui m'avez mis dans ce pétrin, alors allez-y. Bonjour madame, je suis Marie. Poussez! Oh, c'est merveilleux. Poussez! Écoute Lily! Daniel, tu me donnes son nom à celui-là, je vais l'inscrire à la morgue. Mais laisse tomber, il est en état de choc là parce qu'il a perdu la grande aiguille. Tu veux que je te passe le docteur? Il y a un docteur maintenant. Oh, putain. Lily, je te jure que je te baratine voilà. Pas. Voilà! Tiens d'ailleurs, ça y est, il sort le bébé. Poussez! C'est un bébé, je te jure que c'est un bébé, Lily. Un bébé? Ouais, je vois la tête. Oh, oui. Enfin, ça ressemble à une tête. Tu m'as fait un enfant dans le dos? Mais non, c'est pas le mien. Il me ressemble pas du tout, ce bébé. Je te jure qu'il n'y a pas photo. Respire, il est laid, tout fripé. On dirait un vieux nain de jardin. Hey, voilà. Oh, c'est merveilleux. T'essayes de m'embrouiller, là. Lily, tu vas m'écouter 30 secondes. J'ai chargé une femme enceinte dans mon taxi. C'est un garçon. Et elle n'a pas accouché à la clinique, mais devant la clinique, dans mon taxi. Et ça fait une heure qu'ils sont en train de me ruiner toute la banquette. Hey, mais le frappez pas comme ça, cet enfant. Il vous a rien fait. Ça y est, maintenant, on va plus pouvoir s'entendre. C'est merveilleux. La prochaine fois que tu vas à un accouchement, t'as intérêt à ce que ce soit le mien. Oh mais y a pas de problème, Lily. Je peux même rester en t'attendant si tu veux. Elle a l'air très bien, cette clinique. T'as 10 minutes pour être à la maison. C'est bon, y a pas de jumeaux? On peut remballer, docteur? Non, parce que c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai toujours des courses à faire, moi. Ah, oh, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Un problème avec ton ami? C'est rien, c'est une urgence à l'hôpital. Un accouchement difficile. Je comprends. Sauver des vies comme ça toute la journée... Ça force le respect. Oh, je sais pas quoi vous dire. Vous avez été formidable. Je sais. Puis avec tous les risques que vous avez pris, j'espère au moins qu'on vous retirera pas votre permis. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je n'ai pas le permis.